قلت باقي 8 ديال الماتشات حنا غنلعبوهم كاملين باش نربحوهم وباش نكملوا لو بلو بوسيبل في الشامبيونا. الصراحه دابا الوداد هزات اون غروس اوبسيون حق اون فا با لاشي. عندي ان افكتيف جون اللي باغين هما يكملوا الشامبيونا لو بلو بوسيبل اي بي سي سا لوبجيكتيف ديالنا نربحوا تو لي ماتش كي اريف à chaque fois comme à chaque fois. Mais on va se concentrer d'abord sur la Coupe de la CAF, Inch'Allah, Jum'a, pour représenter le Maroc le mieux possible, Inch'Allah. D'aller le plus loin possible, Badan nous sur les poules. Donc on a un tirage qui n'est pas facile. On a une équipe du Togo, le deuxième championnat d'Iala, ou Mbadoula, ou l'Athéna, on a une Zamalek. Donc on a un tirage pas facile, mais on est confiant. On va jouer, on va essayer d'accumuler l'expérience de la Coupe. Nous avons les jeunes du club aussi, le niveau africain. Où c'est, l'objectif, c'est d'aller au minimum dans les poules et pourquoi pas, Inch'Allah, faire un exploit. Je ne vais pas me positionner. Le mieux pour nous, ce serait le Fatah, Inch'Allah, Allah. Et après, je n'ai pas d'équipe préférée, donc j'espère que ce sera la meilleure qui remportera le championnat. Le jeudi, là, non, objectivement, le Wydad, ils ont une belle équipe, ils ont le public, ils ont des joueurs internationaux, donc je pense que c'est eux les favoris. Mais il faudra faire très attention au Raja, qui va revenir fort, et Marrakech et Khribga, qui je pense seront dans le coup. Et puis voilà, je pense que c'est eux les favoris. Nous, on est derrière, on va essayer de s'accrocher, mais le Wydad, pour moi, c'est eux qui ont l'option, ils ont 5 points d'avance. C'est eux qui ont les cartes en main, donc voilà, on va suivre ça et puis j'espère que ce sera vraiment la meilleure équipe qui remportera le championnat sur la durée.